Voici que le Christ est né pour nous. Venez l'adorer. Voici.
Psaume 39. Mais toi, tombe sur moi.
Cantique d'Isaïe, page 281. Monte sur une haute montagne, joyeuse messagère pour Sion. Élève fortement la voix, joyeuse messagère pour Jérusalem. Élève la voix sans crainte, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Tel un berger, il fait paître son troupeau, il recueille dans ses bras les agneaux. Il les porte sur son cœur et conduit au repos les brebis mères. Pourquoi lis-tu Jacob, affirmes-tu Israël? Mon destin est caché au Seigneur, mon droit est inaperçu de mon Dieu. Le Seigneur est un Dieu éternel, il a créé les confins de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse, son intelligence est insondable. Il rend la force à celui qui est fatigué. Il réconforte celui qui faiblit. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent. Il arrive aux jeunes hommes de chanceler. Mais ceux qui espèrent en Dieu renouvellent leur force. Il leur vient des ailes comme aux aigles. Ils courent sans lassitude et marchent sans fatigue. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 149. Le Fils de Dieu, l'Emmanuel. Nous avons vu sa gloire. Alléluia, alléluia. Le Fils de Dieu, l'Emmanuel. Le Fils de Dieu, l'Emmanuel. De harpe et de tambour, car le Seigneur se compose.
béton son peuple. De sa vie, il parle des hommes. Les siens jubilent de gloire. Il les acclame depuis leur place. Les éloges de Dieu à pleine gorge. À pleine main, l'épée à deux tranchants. Pour exercer sur les peuples vengeance. Infliger aux nations le châtiment. Pour lier le chaîne des rois. L'entrave de fer est glorieuse. Leur appliquer la sentence écrite. Gloire en soi à tous les siens. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, amen. De Guéric d'Igny au XIIe siècle. Il nous est donné aujourd'hui non seulement d'entendre cette parole, mais de la voir, si toutefois, comme dit saint Luc, nous passons jusqu'à Bethléem pour voir la parole que Dieu a faite et qu'il nous a montrée. Dieu, dans sa volonté de s'accommoder de toute manière à notre faiblesse, après nous avoir permis d'entendre sa parole, nous l'a rendue aujourd'hui visible et palpable, de sorte que certains d'entre nous ont pu dire « Le Verbe de vie qui était dès le commencement et que nous avions entendu, maintenant nous l'avons vu de nos yeux, nous l'avons contemplé, nous l'avons touché de nos mains. » Si donc il y a parmi nous quelques frères qui éprouvent de la tiédeur, qu'ils passent jusqu'à Bethléem et qu'ils y contemplent celui que les anges désirent contempler, la parole de Dieu que le Seigneur nous a montrée. Qu'ils se représentent en esprit en quel état la parole divine, vive et efficace, est là, couchée dans une crèche. Assurément, c'est une parole sûre et qui mérite d'être accueillie sans réserve que ta parole toute puissante, Seigneur. Descendue en une telle profondeur de silence du haut des demeures du Père jusque dans la mangeoire des animaux, elle nous parle mieux pour l'instant par son silence. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que nous dit ce saint et mystérieux silence de la parole éternelle. Elle a voulu elle-même être abrégée et en quelque sorte réduite, au point de se resserrer, pour ainsi dire, de son immensité incompréhensible à l'espace étroit du sein maternel, et de se laisser contenir dans une crèche, elle qui contient le monde. Dans le ciel, cette parole, par sa sublimité redoutable, remplit de stupeur les puissances angéliques. Dans la mangeoire, elle sert d'aliment aux simples et aux faibles. Inscrutable là-haut aux intelligences angéliques les plus subtiles, elle est ici-bas devenue palpable, même au sens émoussé de l'homme. Thank you.
s'est fait chair, il habitait parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il habitait parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Sûrement que l'aurore, Israël a attendu son Seigneur. En lui est cachée l'abondance de toute miséricorde. Le sûrement que l'aurore.
Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur. Au mal de tous nos ennemis, amour qu'il s'élève avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. C'est bon, j'irai à notre Père Abraham, de nous donner la franchise de la crainte. Servions en justice et sainteté devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés par l'amour du cœur de notre Dieu. Soleil levant qui vient nous visiter, lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Guide pour nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, amen. Plus sûrement que l'aurore, Israël. Ton Fils Jésus, nous avons tout reçu, grâce après grâce, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit saint.
pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que tout effort de l'homme vers toi trouve son origine et son achèvement dans l'incarnation de ton Fils. Accorde-nous d'être comptés dans la part du Christ qui résume en lui le salut du genre humain, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Louons